Bonjour, bonjour à toutes. Comment il est? Toujours avec un grand plaisir que m'y retrouve Azot tous les matins. Un petit peu de souci technique qui arrive, hein, c'est les aléas du direct. M'y rappelle Azot que nous sommes en direct depuis Saint-Pierre, La Réunion, dans notre pays. Bien sûr, un petit point sur l'actualité, ce qui se passe ici, hein, dans notre pays, La Réunion, et aussi ailleurs dans le monde. Et d'ailleurs, m'y tiens à remercier toutes les personnes, toutes les gens que les fidèles sur le réseau social Facebook, fidèles aussi sur la télé qui suivent à nous, nous voit bien ce message là sur Facebook, me disent tiens beau là pas, ça reste bien calé avec nous là même. On va parler aujourd'hui jeudi 1er octobre, c'est-à-dire demain, avec l'augmentation des hydrocarbures, on appelle ça carburant, l'essence, tout ça, il augmente, hein, il baisse plutôt un peu, sauf le gaz, il augmente. Hein. Donc, on est tellement habitué avec l'augmentation que le corps, il dit, l'esprit, il pense à tout y augmente. Alors, donc, le sans-plomb, le prix, il est en baisse à 1,24€ le litre, il perd 1 centime. Le gasoil, le prix de vente, il est en baisse de 4 centimes, 92 centimes. Et puis en revanche, le prix final, le gaz, il est en hausse justement de 10 centimes. Il passe à 16,56€. La préfecture annonce ça mardi 29 septembre, c'est-à-dire hier, dans un communiqué, hein, comme chaque fin de mois, ben, il annonce l'augmentation, sinon ça, la baisse des prix des carburants. Donc, nous va fermer la parenthèse des carburants. Nous aurons l'occasion de revenir dessus. Carburant qui baisse, mais qui augmente aussi. Et quand il baisse d'un côté, l'autre côté, il augmente. Nous l'avions parlé aussi hier, on va reparler de ça, que les médecins à La Réunion, que les pas trop d'accord avec le port du masque obligatoire. Il a un communiqué du collectif de médecins 974. Il a demandé que le ban mesure pour lutter contre le Covid l'est un peu moins lourd, ce ban médecin réunionnais. L'association a 35 ban chercheurs universitaires, ban médecins là-bas, côté de la France, là-bas. Zola a publié un article dans le Paris, dans la tribune, le Parisien, là-bas. Covid-19, nous ne veut plus être gouverné par la peur, le titre de cette bande, l'article. Nous avons parlé aussi d'épidémie avec la préfecture qui confirme les bonnes entrées en vigueur, les nouvelles mesures de la lutte contre le Covid-19. Hein. On a fait un petit point là-dessus. Et puis voilà, donc reprise progressive pour Ben de Moon, il fait le sport, Ben sport de combat, tout ça là. Aussi l'assouplissement, Ben conditions de voyage entre Mayotte et La Réunion, qui a été aussi annoncé dernièrement. Le bilan de l'épidémie, là, l'OA dit 3 nouveaux cas, 3 nouveaux décès, 3 nouveaux morts, hein, de monde les morts, hein, 3 nouveaux machins. Au total, là, depuis le début de cette épidémie, 14 personnes les morts par rapport au Covid-19. Un boug et deux femmes, les deux étaient âgés de 75 ans. C'est Ben Vieux Moon que le Covid y attaque de la vue. Hein, les morts là-bas dans le Ben Service CHU, La Réunion, entre le 26 et le 28 septembre. 190 cas de Covid l'a été par ailleurs confirmé, hein, sur La Réunion là-bas, donc du côté d'ici. Le nombre total d'apparition de premier cas du 1er mars, hein, c'est 3882, hein, machin de virus. Hein. Nous avons aussi la prolongation de l'interdiction de rassemblement de plus de 10 personnes, qui était à l'ordre du jour et les obligatoires maintenant. Rassemblement de plus de 10 personnes, ben, pour l'interdit dans les espaces verts, dans les aires de loisirs, les parcs, jardins et de pique-nique, les aménagés du côté de bonne plage et tout bonne site où ça, ben, ça va là-bas pour s'amailler un petit peu pour faire cette fête là-bas. C'est jusqu'au 15 octobre. Après, ben, Nava a réavisé le situation. Et puis, il y a aussi l'interdiction de l'alcool sur la voie publique, les interdits. Et ça, c'est un petit peu difficile de défendre son, le boubasson, bien sûr, sur la route. Hein. Si La Réunion est dans un contexte assez spécial, ça est appliqué ici à La Réunion, mais appliqué ici ailleurs. Là-bas, à côté, la France. Alors, la consommation de l'alcool, ben, ça aussi, les interdits, hein, dans les bons espaces publics.
Tout ça là, bah, il paraît que l'alcool, bah, ça y attire de moon pour causer entre camarades partout. Donc, les affaires, les interdits. Et puis, nous avons aussi des autorisations d'ouverture assez tard, hein, au-delà de 0h30. Hein. Bah, il ne veut plus trop non plus la préfecture. Donc, il faut faire attention. Bah, il risque d'avoir des gros problèmes là-dessus. En plus, bah, nous avons quand même pas mal de affaires qui arrivent. Ami Invitazot, allez, jette un petit coup d'œil sur la liste, qu'elle est assez longue quand même. Une liste, elle n'est pas facile, hein, de décrypter, hein, parce que la personne qui ne m'aille pas trop sur Internet, on a tellement d'articles là-dedans. Et est-ce que tout le monde y respecte ça aussi, nous pose à nous la question, hein, parce que avec tout ça, hein, il est un petit peu comme l'éducation nationale quand il a fait son 50 pages pour le premier coup, personne n'a bien compris, n'a pas compris rien, donc ils ont été obligés d'alléger les affaires. En tous les cas, c'est les bonnes tests par rapport aux tests d'embarquement voyageurs. Ils sortent de Mayotte, là-bas, les plus dans l'obligation de fournir un test, hein, négatif à l'embarquement. Sinon ça, Bana va faire une prise de température là-bas. Ben, l'aéroport Roland-Garros, l'équipe a eu justement d'un portique pour que l'on ait des capteurs thermiques là pour détecter si on a la fièvre. À ce moment-là, ben, il avise. Et puis, nous avons la septaine de précaution. Alors, ben, il n'y a pas septaine pour dire oh, l'obligatoire, hein, par précaution. Tellement, nous connaît comment elle a se passé au tout début avec, quand on a dit, elle n'est pas obligatoire, les affaires, comment tout le monde n'était pas avec ça. Ben, là, il arrive, fait pas du tout, hein, et puis, la loi française, il m'a un peu là-dedans. On a des lois qui contredisent d'autres lois. Donc, c'est pour ça que vous êtes obligé d'appliquer certaines affaires. Alors, septaine sans précaution, midi d'autre, vous êtes arrivé à La Réunion. Ben, le voyageur qui sort de la France, là-bas, ou Mayotte, n'est pas soumis, hein, n'est pas obligé de faire une septaine. Voilà, donc vous allez compte sur votre bon vouloir pour le faire, en règle générale. Bon, mais pense que compte de boire de l'eau, comme on a dit, hein, donc nous va parler pour la suite avec quand même le Covid-19 dans le monde, hein, dans les États-Unis là-bas. Alors, le temps d'arriver ici, de faire une petite pause là à 6h10, nous emmène à Zot du côté du Parc des Palmiers. Après, nous revient tout de suite. Il est venu là, ici, en compagnie de le maire du Tampon, Tianakoun. Et Tampon, c'est un endroit où on a bon peu de palmiers, m'a remarqué. Alors, dans ce parc, si vous êtes sur Bat Carré, on a des dizaines et des dizaines, voire des centaines d'espèces de palmiers. C'est des palmiers qui ont été importés pour la plupart du temps de différents pays du monde. Un parc, les Gaillards, bien entretenu quand même, hein, un des parcs que moi l'a visité, assez bien entretenu, très propre. Et surtout, Gaillard pour faire autres sports. Alors, je fais sport là-dedans, courir, on a toutes sortes de parcours. Alors, on a la montée, la descente, on a toutes sortes de qualités à faire. Et ce qui demande à autres là-dedans, c'est de respecter justement les endroits que autres iront visiter. Pas casser les branches, pas essayer de casser les bancs de fruits, surtout pas laisser la saleté traîner partout. Le parc est bien structuré, me dirais, avec quasiment dans la plupart des cas des petites étiquettes qui indiquent à Zot où ça ils sortent le palmier pour que ça l'île était là. Et puis nous n'ayons internet comme est là, il suffit de taper le nom que Zot y voit dedans et Zot n'ayons toutes les significations. Comme il dit aussi, hein, il y a des panneaux que les placer un peu partout avec différents types d'explications. Alors là, pour le parc des Palmiers, du côté du Tampon, côté d'Assy. Voilà, le parc des Palmiers, là-bas, il est situé justement dans la commune du
tampon. Donc, nous va la prochaine fois aller battre un carré dans un autre coin de notre pays. Un petit souci technique avec moi, t'es là, mais je ne sais pas comment il se passe là. Donc, le temps m'explique que tu reçois moins bien là, de l'autre côté, là-bas. Nous va parler de l'alliance des vaccins qu'a annoncé mardi 100 millions de doses supplémentaires pour les futurs vaccins que les réservés aux pays les plus pauvres. Hein, début août, Gavi et la fondation Bill Gates et Melinda Gates l'avaient annoncé en collaboration avec le sérum, un sérum hein, avec l'Institut de l'Inde là-bas, le plus grand fabricant mondial de vaccins hein, en volume. Alors, 100 millions de doses a été prévu pour ban de moon pour ban pays les plus pauvres. Alors les vaccins qui ont été mis au point par ban laboratoire pharmaceutique suédo-britannique hein, et AstraZeneca et aussi du côté de Novavax du côté des États-Unis le ban de vaccin les réservés justement aux ban pays les plus pauvres. Alors que le pandémie coronavirus fait des millions, encore des millions de morts dans le monde depuis son apparition à la fin décembre. La Chine et l'OMS la fixent azote un objectif pour disposer de 2 milliards de doses de vaccins d'ici la fin 2021. Des tests rapides de là-bas du côté des États-Unis. Ça fait un petit tour dans le monde hein, avec ce tour du monde en Covid. Pour lutter contre l'épidémie là-bas aux États-Unis, les experts de la santé publique, ils militent aussi que depuis des mois pour l'utilisation d'un test rapide pour détecter justement ce Covid-19 dit antigénique. Il ne coûte pas trop cher et le résultat est obtenu à peu près 15 minutes contre plusieurs jours pour un test classique. Et puis en pleine campagne pour son réélection, vous savez que les élections avec Donald Trump là-bas, les États-Unis, là, c'est compliqué. Il a annoncé lundi que 150 millions, c'est ce que Donald Trump y ajoute, hein, 150 millions de tests rapides que va permettre à mieux suivre la propagation du coronavirus hein, sera distribué là-bas du côté des États-Unis et 50 millions va servir pour protéger ben, communauté les plus fragiles. L'OMS l'a annoncé aussi à l'administration l'OMS qui avec l'administration de Donald Trump vous êtes rappelé à Zot ben Donald Trump l'a chez avec Zot hein, chez avec le ban partenaire de l'OMS que l'avait promis 120 millions de tests pour les pays l'OMS par contre l'avait promis 120 millions de tests hein, donc Donald Trump l'a chez avec ça donc la maille un petit peu pour ces histoires de vaccins et moi aussi je suis en train de mailler dans mes papier était là, donc Mirceuse va comprendre à nous avec tous ces petits trucs en train de machin, un coup les yeux sur la table et un coup les yeux sur l'ordinateur, donc il m'a mis dans tous les sens. Nous avons aussi le pandémie du nouveau coronavirus, ça fait pas moins de 1 million de morts, hein, plus d'un million 1 100 000 morts dans le monde depuis la fin décembre, un bilan qui a été établi par l'AFP par rapport aux sources officielles mardi dernier. Plus de 33,4 millions de cas d'infection ont été officiellement diagnostiqués depuis le début de l'épidémie. En Europe, c'est 5 361 282 cas qui ont été recensés. Au total, 230 943 qui étaient morts. Et puis, face à l'accélération de l'épidémie en Irlande du Nord, ben, elle a ordonné aux bars et restaurants de fermer à partir du mercredi d'aujourd'hui, hein, dans la foulée. Tout le banal, un peu comme la France, hein, un peu pas content, un peu les contents, ce qui maille un petit peu dans ce histoires-là. Nous va parler aussi, nous va descendre un petit peu, nous n'est là aussi à Saint-Denis, à la reprise des activités sportives qui reprend à partir du 1er octobre. Hein. Nous n'a aussi dans notre pays la Réunion avec les PMI de pêche de la réserve nationale, hein, marine nationale qui sera remis à peu près 800 pêcheurs hein. Il faut que vous y déposez votre bande de papier, vous êtes habitué déposez le permis de pêche hein, bah, il suffit d'aller directement là-bas au JIP, réserve nationale de la Saline donc vous y demandez votre carte de pêche traditionnelle
là-bas pour la réserve. Et attention, Idiazot et les bandes premiers arrivés sera les premiers CAV pour justement pouvoir aller pêcher là-bas dans la réserve marine. Donc le dossier est complet, il est à déposer là-bas. Si votre dossier n'est pas complet, il ne sera pas accepté. Nous avons parlé de la 5G en France avec les qui lancent des appels d'offres, hein, qui concernent parce que la Chine là-bas a été mis quasiment de côté, hein, Huawei a été mis de côté. Donc la France, il lance des appels d'offres pour la 5G. Et ce 5G, à La Réunion, sera pas encore pour tout de suite encore. Hein. Et les gens écrivent aussi par rapport à un 5G, qui n'est pas vraiment un 5G, c'est un 5G plutôt vers les 4G. Alors nous, on a un bout qui connaît ça, va causer avec nous un petit peu de là-dessus ce que lui pense. Vincent Défaut, normalement cette semaine, nous sommes invités dans notre studio pour parler de ça. Nous va à 6h18 minutes déjà sur Télé Créole pour ce 30 septembre 2020. Nous parler de droit de moon, en ce qui concerne une dispute pour la famille entre frères et sœurs. Les rares que plainte y aboutit, hein, autant mieux voir une maison de justice pour règle tout ça, parce que il est vrai que nous n'a de beaucoup de disputes dans le cadre familial, hein, ça y existe, ça a toujours existé, hein, donc pour changer ça c'est un peu compliqué. Donc si ça porte plainte là-bas, là, en règle générale, comme il dit, s'il n'y a point le sang, la loi ne vient pas. Donc même si la loi vient, il ne prendra pas cette plainte correctement. Ou sinon ça, on va mettre d'un tiroir là-bas. Au lieu de gaspiller notre temps, des fois, aller là-bas, aller voir la maison de justice. Sinon ça, essaye de régler votre problème entre eux autres. Il risque de mieux passer. Et puis, nous va passer aussi sur Cosman, La Réunion, pour aujourd'hui. Pléa pas si courage ou de camarade. Alors ça, Gramoun l'a dit, comme camarade Néna, c'est qu'il a bossé pour gagner. Sauf s'il a volé. Bon, s'il a volé, on peut pléer un peu dessus. Bon, il changera pas grand-chose. Donc, pléa pas si courage ou camarades, donc mieux travailler pour gagner les meilleurs. Le mot « saut manqué » dans ce mot réunionnais pour aujourd'hui, « saut manqué ». Alors, « saut manqué », « saut manqué », peut-être, peut-être que lui a fait ça, « saut manqué », voilà le mot, il veut dire, peut-être. Alors, nous va passer au message des auditeurs. Nous avons eu quand même pas mal d'auditeurs qui lancent à nous des messages, hein, sur le 006 157. C'est après, hein, vers 7h, comme ça, nous commence à avoir des messages qui arrivent à nous au courant de la journée aussi. Donc, Marie-Hélène de Sainte-Anne qui vient nous bonjour, m'y regarde tous les jours et m'y aimerait savoir si une préférence dans la commune de Sainte-Anne, oui, là-bas, de l'autre côté, dans l'Est, là-bas, chaque fois, ça demande à Zot, pour aider à moi, la façon Zot y répond à moi, c'est comme si moi, c'est un moins que rien, les pas normal, tout ça, que ça, il faut faire, s'il vous plaît. Bon, là, il faut aller voir le maire, hein, comme il dit, il faut aller voir le service là-bas, et puis on rentre Exote, cause Exote, si il écoute pas haut, bon, enfin, lettre commandée, et puis il garde des preuves après, taxe Exote, hein, pense que les possibles comme ça, parce que c'est vrai que par les temps qui courent, il n'est pas facile, des fois, donc, il abuse un peu, hein, donc, puis il y a aussi cette peur du Covid, tout ça, les gens la peur, elle est un peu stressée, les coincés, tout ça, donc, il faut décoincer Exote. Tatiana Dupont, merci pour te causer. Continuez comme ça, m'y retrouve mon manière réunionnais. Merci à vous, Tatiana. Et puis merci aussi à toutes les personnes, comme il dit souvent, hein, que Léla, c'est vrai que nous voit les messages sur Facebook, mais en direct même, difficile à répondre. Et dans la journée, nous jette toujours un coup d'œil dessus. Alors, on me disait, continuez votre message. Et puis, nous sommes là pour vous autres tous les matins pour parler justement de l'actualité Néna dans notre pays, La Réunion, tout ça. Marie-Jo de Marie-Jo de Nantes, que la texte à nous hier. Merci pour de bonne cause, fait plaisir, écoute ça. Merci à vous. Joël de la Ravine des Cabris, bonjour, m'a vu côté la station, la Ravine des Cabris, en train de faire test Covid. Est-ce que nous peut aller comme ça même? Alors, on avait parlé dans le journal, hein, c'est vrai qu'à la Ravine des Cabris, pas trop loin de la station totale, hein, station Bello, où ça, on avait fait des soirées, si je ne me trompe pas,
dans la salle des fêtes, micro ben, elle a aménagé une affaire pour faire les tests Covid, mais je pense que je m'en avais dit qu'il faut que ça c'est en cas d'urgence, pour de monde, ils sortent, ils savent voyager ou ils arrivent, tout ça là pour aller faire ça, mais normalement, si je demande aux médecins, va prescrire aux autres pour aller là ou ailleurs, hein, parce que les laboratoires, les assez compliqués débordé, donc à Théalami ou à la pointe, trop de monde. Donc il faut certainement venir sur rendez-vous à ces autres de voir, si je passe à côté, il suffit de causer avec le moulin de Monaï, il va renseigner à ces autres, pas de problème. Moi, je pense qu'il faut peut-être un rendez-vous, hein, parce que le maire avait mis plusieurs centres comme ça sur Théa Saint-Mandela, tout ça, et donc voilà. Nous refermons la parenthèse. Merci aux bons auditeurs qui envoyaient nous ce bon message. Nous allons passer sur la météo. La Réunion, le temps est couvert ce matin et l'après-midi par place, hein, des nuages, mais aussi on aura peut-être la pluie surtout dans les hauts. Du côté de Mayotte, le matin et que l'après-midi, le temps sera couvert. Ensemble soleil l'après-midi, et puis sur côté Maurice, le temps sera couvert l'après-midi et les prévus de la pluie par place. Voilà, l'émission, le journal Le Causé de la Réunion, on l'a fini. Mi remercie ces autres d'avoir suivi ça, autres, les nombreux et nombreuses à suivre à nous, et puis nous excusez à nous pour le petit maillage que l'a eu technique, hein, c'est des aléas du direct. Nous, mi espère que vous êtes les toujours fidèles au poste. Nous avons notre rendez-vous normalement demain matin. À bientôt. Tiens, bolarde pas et bonne journée.